Bonjour à tous et à toutes. Alors, quel aquarium choisir pour débuter dans l'aquariophilie? Beaucoup de possibilités. D'abord, bien réfléchir à si vous voulez mettre dans votre aquarium des poissons d'eau chaude ou d'eau froide. Ça va conditionner surtout le fait d'acheter un aquarium avec un chauffage ou sans chauffage. Je crois qu'on peut racheter des chauffages séparément. Et un peu le budget que vous avez à consacrer à ça et la quantité de poissons à mettre dedans. Donc faites bien attention qu'on ne met pas 10 poissons dans un aquarium de cette taille-là. Donc là, venez ici, on a toute une équipe de professionnels et d'amateurs qui savent vous conseiller et suivant le type de poisson et suivant la quantité, vous aiguiller vers tel ou tel aquarium. Donc on va faire un petit tour rapide de la gamme d'aquariums qu'on propose. Donc comme vous voyez, on a beaucoup de stock dans les aquariums ici de chez Superfish. Pourquoi? Ben parce qu'on trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. C'est important quand on démarre l'aquarium, c'est d'avoir quand même du matériel pas trop coûteux, mais surtout de bonne qualité et fiable. Donc, on démarre avec la gamme Star. Donc, Star, comme son nom l'indique, ben c'est démarrage. Donc, on démarre dans l'aquariophilie où on veut un petit aquarium de quarantaine, où on veut un petit aquarium pour isoler des jeunes poissons qu'on aurait réussi de la reproduction. Et donc, voilà. Donc, on démarre avec le modèle ici, le Star 20. Qui est vraiment eau froide, donc il n'y a pas de chauffage avec. Et puis tous les modèles après, que ce soit le modèle Star 30, Star 50, 70, 100 ou 150, vous avez donc avec l'aquarium, donc de l'équipement qui est fourni avec, donc un chauffage avec un thermostat intégré, une filtration interne avec de la mousse, du charbon de bois et de la céramique qui permet donc un bon support bactérien. Vous avez également deux produits qui sont livrés avec, donc un conditionneur d'eau pour mettre dans l'eau quand on démarre l'aquarium qui permet d'enlever le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet et de fixer tous les métaux lourds et des bactéries qui permettent d'introduire la vie dans l'aquarium. Donc tout ça est fourni dans le kit, une épuisette, un thermomètre et de la nourriture, le Vibrabite de chez Ikari qui est très bien. Donc 20, 30, 50, 70, 100, 150, donc c'est un modèle vraiment qui est ici qui fait 100 50 litres, 146 litres pour être exact. Au niveau budget, on démarre à 30-40 euros jusque par exemple 200 euros pour ce modèle-ci, disponible en blanc, en noir. Et les meubles aussi sont disponibles en option, donc en accessoire, on peut acheter des meubles qui sont, c'est vrai, basiques, mais qui sont fabriqués pour supporter le poids de l'aquarium. Et là, on est à des budgets de 70, 80, 90 euros pour les meubles. Donc, gamme Star, je vais montrer encore d'autres modèles un petit peu plus loin qui sont les modèles de chez Superfish également, qui sont les Home, qui sont déclinés en plusieurs modèles aussi, 30, 45, 65, 85 et 110. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier les Home? Une finition un petit peu plus moderne, des LED ici de deux couleurs, donc on a des LED bleus et des LED blancs, avec la possibilité donc de dimmer. Et éventuellement donc de baisser la puissance des LED, donc laisser en bleu. Gros avantage de la gamme Home, c'est un démarrage progressif, donc on ne stresse pas le poisson quand on démarre l'aquarium. Et là, ils sont disponibles aussi en blanc ou en noir, donc voilà les modèles Home. Des meubles aussi sont disponibles avec ces modèles-là. On a des modèles aussi, donc le Cubic de chez eux aussi, avec deux tailles de Cubic. Sont des aquariums vraiment à déposer sur un petit coin de du plan de travail, près du fauteuil, dans la cuisine. Et les modèles Panorama qui ont la particularité d'avoir une filtration qui est dans le couvercle pour ne rien avoir, dans l'aquarium. Vous avez envie de faire votre kit vous-même, donc là il n'y a pas de souci, on vend les cuves seules, on vend les éclairages seuls, on vend les chauffages, les pompes, donc tout ça s'achète séparément. Ou pour les gens qui ont retrouvé une pompe dans le grenier, ou si on leur a donné quelque chose, on vend également des cuves vides, donc qui sont ici, de la marque Aquadella, et donc qui sont des cubes en verre, avec les bords ici qui sont arrondis, c'est très joli. Donc ça existe en petits cubes, en aquarium rectangulaire. C'est la gamme Urbis de chez Aquadella, qui est très sympa aussi dans les aquariums. Et des petits éclairages qu'on peut mettre dessus également. Donc voilà, on a encore d'autres modèles. On a la gamme Biorb également au magasin à vous montrer. On a des petits aquariums de chez Juel. Enfin voilà, un tas de choses. Donc n'hésitez pas à passer, à nous mettre en commentaire si vous avez des questions concernant les aquariums.
Et puis, passez nous dire bonjour, ça nous fait toujours très 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 plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Et à bientôt!